Salut, c'est les Gromos. Alors aujourd'hui on fait une vidéo très spéciale. Ouais, vous avez peut-être remarqué, hein, Jelly Belly Challenge. Bon, en fait, si vous connaissez pas le principe, il y a des bonbons, ils sont tous les deux identiques, mais ils ont pas le même goût. Par exemple, il y a chaussettes puantes ou sinon tutti frutti. Il y en a plein comme ça. En fait, c'est un goût dégueu et un goût bon. Soit tu tombes bien et tu vomis pas, sinon tu vomis. Bon allez, on commence. Alors on met dans le bol. Il n'y a plus. Ouais. Bon, alors on va commencer, hein, facile, avec des bleus qui n'ont pas les petites taches, parce que quand ils n'ont pas les petites taches, c'est bon. Alors c'est ou dentifrice ou baie bleue. C'est-à-dire myrtille, tout ce qui est voilà, ouais. Groseille, myrtille. Bon voilà. Ou dentifrice, mais ça n'a pas l'air dégueu. Oh, c'est bon, baie bleue. Hein. Du dentifrice. Ah, c'est trop bon la myrtille. Ah, j'adore. Un frère chez le dentiste. C'est bon la menthe. C'est le dentifrice. Very good. Dentifrice aussi, c'est pas mal. Bon, allez, on pourra détacher. Non, on finit d'abord. Attends. Du bref vert fomi, œuf pourri, chaussette puante, crotte de nez. On va commencer crotte de nez, hein. C'est quel? Alors, crotte de nez, c'est des verres tachetés de vert foncé. Voilà. Comme ça. Alors, c'est crotte de nez ou poire juteuse. J'espère que j'aurai encore de la chance. C'est du gazon. Oh. C'est une crotte de nez, mais... J'ai crotte de nez. C'est pas bon. C'est un goût de... Comment ça s'appelle? C'est même que le gazon. Hein. C'est sont pareil. Bon allez, hein. on va prendre blanc. Attends, j'ai pas fini de goût. Apparemment, blanc, c'est tout à bon. Tricheur. Tricheur. Ah non, mais les goûts. Bon, c'était vraiment dégueu, du coup on va faire un bon, c'est-à-dire... Ah non, mais attendez, j'ai pas découvert un truc. Regardez, il y a un Jelly Belly code barre. Je sais pas s'ils ont déjà goûté le code barre, mais s'ils ont goûté, ils sont idiots. Oh, un code barre. Bon, on va goûter, voir si c'est bon. Oh, c'est... Ah, c'est trop bien pour le Jelly Belly. Hé, Greg, donne ça à chacun, tu leur dis de goûter et après tu leur dis... de le créer, ok? Ah, merci. Trop bon. Attends, je fais un goût quoi de barre, ça va être goût bon ou dégueu? Alors là, on va choisir les blancs, c'est ou lingette pour bébé ou noix de coco. Attends, j'ai déjà goûté lingette pour bébé, mais c'est bon en fait. Blanc. C'est pas crotte de nez ou c'est dégueu? Bon, allez. On achète pour bébé, mais c'est pas mal. Ouais, ça va. Moi aussi. Oh, c'est trop bon. Ouais. Je pense que c'est meilleur que la noix de coco. Vous en voulez? Un chocolat, si t'en veux. Viens, on fait tacheter et pas tacheter. Non, on morfle et on morfle plat. Pas. On fait quoi? Non, on vomit au dernier. Oui. Alors. On se fait soit chaussettes puantes. Non. Soit chaussettes puantes, soit tutti frutti. Moi, j'ai pas été vraiment chanceux. Enfin, je veux dire, voilà, chanceux. Donc, j'espère que je vais avoir tutti frutti. C'est mauvais, mais. Allez, c'est parti. Cette couleur. Rose avec des tachetés de multicolores. Allez. Oh. Je sais pas ce que c'est. Oh. Ah, c'est tutti frutti, mais c'est pas bon. Non. Ou alors j'ai chaussé de puante et c'est bon. C'est moyennement. Mais ça sent le goût. Il est parti aux toilettes, vomi.
Je sais pas ce que j'ai, mais c'est dégueu. J'ai des loups là. Ah. On va faire quoi après? Nourriture pour chien ou pudding au chocolat. On va faire ça. Oh, voilà, avec un peu de vomi dans les toilettes. Non, c'est pas vrai. Bon, alors on va prendre. C'est marrant, vous voyez. C'est ou soit pudding pour chien ou pudding au chocolat. Apparemment, la nourriture pour chien, c'est du pâté. Ça a l'air meilleur que le pudding au chocolat. Parce que personne. Non, pudding au chocolat, si vous ne savez pas, c'est un gâteau. Au chocolat, mais comme le flan. Un peu comme le flan au chocolat. Oui. Ah, j'ai du pâté. C'est bon? Ouais, ça va. On se croirait à midi, un apéro. Ah ouais. Nourriture pour chien. On a pourri là. Non. On a le pourri là. Ok, non, vomi. Non, gazon tondu, c'est trop mille. Sachant que depuis tout à l'heure, j'ai pas eu un seul bon. C'est pas bon. Ouais, c'est bon. On fera plus de vidéos. Hein. Et puis on sera en congé maladie. Voilà, on fait juste avant la relais. Hein. Vous savez pourquoi? Un an de maladie. C'est vrai, ça donne un an de maladie. Hein. Oh, alors, c'est soit citron lime, soit gazon tondu. Et gazon tondu, c'est un peu comme crotte de nez. Donc j'ai pas envie de le revoir. Lui il est bon, c'est le créateur, il m'a dit. Il a dit prends-lui, il est super bon. Attends, j'ai plus si. Non, il a dit. On a 3 mois. 1, 2, 3. Vas-y, mange. Non, mange. Non. J'ai mangé. Ah non, il est tombé. Gazon tondu, mais c'est trop bon. Oh, c'est bon le citron. Non. J'ai tous les mauvais. C'est trop bon. J'ai envie d'arrêter. Gazon tondu, c'est pas bon, mais ça peut aller. Là, on en est à œuf pourri. Non, bon, bah, c'est soit popcorn au beurre, soit œuf pourri. Là, c'est pas deux bons, c'est deux mauvais. Bon, allez, on fait, Guillaume. Non. Où ça? Je rappelle, c'est œuf pourri ou popcorn au beurre. Vas-y, mange-le. Non, il sent des œufs pourris déjà. Bon, allez, go. Commence. S'il était un bon, je le fais. Non, c'est pas vrai. J'ai popcorn au beurre, mais c'est dégueulasse. Ah, ou alors c'est l'œuf pourri. Ah, j'ai pris le corn au beurre. Ils ont mis 3 tonnes de beurre pendant que Liva m'a dégueu. On va recracher. C'est pas bon. On fera plus de vidéos. C'est un peu dégueulasse. Du coup, on va reprendre par les bleus, dentifrice. Attends, ou les bleus. La boîte des bleus. Je sais plus. Bon, c'était dentifrice ou les bleus. Mais tu le prends ou pas? Alors. Et encore dentifrice. Que les mauvais. Il paraît pour moi. Que les mauvais. Non, c'est pas grave, c'est bon. Ça a une haleine de dentiste. Bon, on passe aux choses sérieuses après. Hein. Si, puis le seul qu'on n'a pas fait, le truc le plus horrible de la planète. Je ne sais même pas vomis. Pourquoi j'ai voulu acheter ces bonbons.
Pareil. Vomi ou pêche. Petit orange avec des trucs voilà, rouges. Alors, c'est cela. Pêche ou vomi. On ne mange pas. Toi d'abord. Non, toi d'abord. Je sais ce que c'est vomi. En fait, ça va. Ah oui, mais je mange pas. Et toi aussi, là. Tu manges la moitié et je te l'accepte. Moi, j'ai mangé la moitié. Moi, j'ai craché la moitié. Jelly Belly géant. Ah oui. Ça, c'est la même couleur que le code barre. Elle est où la boîte? Je viens de la poser, je suis bête. Là. Ah oui. Jelly Belly code barre. J'ai mangé la moitié, on peut y aller. Merci. Et voilà, c'est déjà la fin de ce Jelly Belly Challenge. On espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à aller faire un pouce bleu. Si vous aussi, vous trouvez ça dégueulasse, sachant que j'ai encore le truc vomi sur mes dents, mettez un commentaire. Même, c'est encore mieux de vous abonner. Allez, ciao! Et sinon, pour voir notre dernière vidéo, clique ici. Et vous, quel était votre meilleur bonbon? Moi, je peux pas le dire parce que j'ai eu tous les mauvais de ces machins. Et vu que je suis pas un abonné, je peux pas le dire. C'est à vous de me mettre dans les commentaires. Et on se dit à la prochaine. Allez, ciao!